Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une donation atypique qui suscite l'indignation de plus d'un. Généralement, nous savons que ceux qui ont besoin de dons, c'est les personnes qui sont en situation de handicap, en difficulté, des gens qui sont déshérités, c'est à eux que nous devons donner le peu que nous avons. Mais paradoxalement, vous allez découvrir dans cette vidéo des jeunes africains qui prennent ce vilain plaisir de faire des dons aux arnaqueurs. Et ils décident de donner leur argent aux arnaqueurs et non aux pauvres de leur quartier. Suivez plutôt et vous verrez que vraiment, il s'agit d'un don qui ne dit pas son nom. Regardez, le site là, c'est le site de Coin Pro. Si tu vas taper Coin Pro là, tu ne vas pas voir ça. Donc, ils ont trompé les gens d'investir et ils vont avoir des retours sur de lire les vidéos payantes. Et après 2-3 mois, ils ont fermé. Donc, ceux qui ont déposé leur argent là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné ça à ceux qui ont mis le site en place. Ce n'est pas une donation, comme je le disais, mais à qui? Aux arnaqueurs. Regardez, après, Atom Bank, ils ont fait vraiment du tapage partout dans le monde. Les gens ont mis leur argent pensant qu'ils sont en train d'investir alors qu'ils étaient en train de faire les donations, la donation à ces arnaqueurs-là. Atom Bank n'existe plus, c'est fermé. Regardez, Altero Capital, eux aussi, ils ont fermé. Toujours, on trompe les gens qui vont investir et avoir un retour sur investissement, mais leur argent est perdu comme ça. Vous voyez, S-Bond, eux, ils sont là, mais ils ne paient pas. Mais les gens qui ont mis leur argent, c'est qu'ils ont fait une donation, une libéralité au profit des arnaqueurs. N'est-ce pas étrange? Regardez, Lontech, c'est toujours la même histoire. Après, Genus Change, eux, ils n'existent même plus. Donation, gratuitement, les gens donnent l'argent à ces sites-là. Maintenant, regardez la liste de tous ces sites-là qui ont reçu l'argent des généreux donateurs de l'Afrique. Entre griffes, généreux donateurs. Parce que pour être un généreux donateur, ce n'est pas aux arnaqueurs des va-nu-pieds qui sont dans leur coin. Ce n'est pas à eux qu'il faut donner l'argent. Mais c'est aux pauvres qui sont dans nos quartiers. Donc regardez la liste. Regardez la liste continue. Regardez. Tous ces sites-là, ils ont arnaqué les gens. Ils ont fermé. D'autres sont là, mais ils ne paient pas. Regardez. Donc voilà, quand on vous dit, et à cette liste, ici il s'agit des sites d'investissement. À cette liste, il faut ajouter les marketing de réseau. Les marketing de réseau aussi, c'est des arnaques pures et simples. C'est des gens qui ont mis des systèmes en place et qui veulent que vous leur donnez votre argent. Vous donnez, mais vous ne recevez rien. Les smart contracts, c'est la même chose. Les tontines modernes, tous ces genres de choses-là, c'est des arnaques. Ok. J'espère que nous allons nous arrêter ici. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne, abonnez-vous. Et vous allez suivre des formations gratuitement dans le trading des crypto-monnaies. C'est le seul secteur où vous allez acheter les cryptos au moment où c'est moins cher. Et lorsque ça prend de la valeur, vous revendez pour dégager votre profit et de façon honnête. Merci à tous. Pour s'abonner, vous cliquez sur le bouton s'abonner en rouge là. Et quand ça marque abonné et avec E accent aigu, vous allez voir une cloche. Cliquez sur la cloche où on a dit tout. Et en ce moment, chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, YouTube vous envoie un mail pour que vous puissiez lire cette vidéo-là. Merci à tous.